Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui du 17 mai 2016. Je vous parle depuis, n'est-ce pas, l'Allemagne. Là, je m'apprête pour aller à Liège, en Belgique. C'est confirmé, la Belgique. Donc, j'appelle tous mes enfants spirituels, tous ceux qui aimeraient, qui ont prié pour que le prophète arrive en Belgique. Voilà, c'est chose faite tout à l'heure, direction Belgique et précisément à Liège. Voilà, donc je vous dis, je vous informe que c'est une famille qui vous invite. Voilà, mais on aura l'occasion aussi de recevoir des gens à côté. On aura aussi l'occasion de prier. Parce que le ministère, c'est un ministère international, c'est un ministère des nations. Voilà, c'est ce que je vais dire aux gens. Parce qu'en Allemagne, c'est ça, l'expérience qu'on a vécue. C'est vraiment si une famille nous invite. Le prophète Joël Crasso, il est un ministère. Ce ministère, c'est pour les nations. Voilà, c'est pour les nations. Donc, c'est, j'aurai l'occasion de prier pour vous. Vous avez un problème de stérilité, vous avez un problème d'insuffisance rénale, vous avez un problème de délivrance, même du sida. Nous avons vu le Seigneur guérir le sida pendant nos tournées. Nous avons vu des personnes qui étaient paralysées, qui ont été guéries. Nous avons vu des personnes qui suivaient l'insuffisance rénale, qui avaient tout sort de mots que Jésus-Christ a puissamment guéri. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas d'emploi, qu'on a fini de prier pour, on a fait des bains d'huile. Dans les suds, dans les jours qu'on suivit, ils ont eu des emplois. Il y a eu des grands miracles depuis la Suisse, depuis l'Italie, depuis le Danemark, depuis même ici en Allemagne. Voilà, donc c'est une occasion pour vous de rentrer en contact. Comment rentrer en contact et connaître les lieux? C'est tellement simple, vous appeler le secrétariat. Parce que tous ces pilotes, depuis Divo, depuis la Côte d'Ivoire, comme ça on aura l'occasion de savoir combien le nombre de personnes le prophète a reçu pendant toute sa tournée. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et de continuer de prier pour vous, intercéder pour vous. C'est pour ça que tous ces pilotes depuis, n'est-ce pas, ma base. Donc, c'est plus 225 47 07 23 28. Je reprends. Plus 225 47 07 23 28. Ou plus 225 32 76 38 90. Plus 225 32 76 38 90. Ou plus 225 47 07 23 28. Vous appelez le ministère de le ministère du prophète Joël Crasso. Et comme ça, vous êtes en contact. Ils vont prendre vos noms. Et comme ça, on aura l'occasion. Parce que dès que je rentre à Liège, je serai connecté. J'aurai, n'est-ce pas, ma connexion. Ou mon téléphone. Ou vous êtes directement au téléphone. Voilà. Parce que le service de communication depuis mon secrétariat vous donnera directement mon contact direct. Un contact direct. Et on aura l'occasion, par la grâce de Dieu, d'échanger. Je vous donnerai l'adresse. Afin que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir accès à moi en Belgique. C'est pour vous une occasion. Je ne viens pas pour une communauté, je viens pour toute la diaspora et pour toute la Belgique. Voilà, donc les Congolais, les Camerounais, les Centrafricains, les Ivoiriens, les Gabonais, en fait, c'est pour toute la diaspora. Les Maliens, voilà, c'est pour une question de délivrance. Vous souffrez, vous avez des problèmes. À chaque époque, à chaque situation, Dieu a toujours envoyé des gens avec une notion bien spécifique. Voilà, Dieu, c'est ça. C'est une notion spéciale qui est la destruction des œuvres de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le mal cruel sur nos sols africains qui détruit même à distance. Je vous ai donné une information que les sorciers aujourd'hui, ils ont un mécanisme en place, qu'ils ont mis en place parce que c'est une technologie, elle aussi évolutive. De toute façon, la technologie évolutive, c'est comme ça aussi la sorcellerie est une science évolutive. En 15 minutes, il peut maintenant se rendre en Europe. En 15 minutes. Donc, vous fuyez l'Afrique. Mais l'Afrique vient vers vous en matière de sorcellerie et vous bloque dans vos affaires. Vos affaires sont bloquées et c'est le non-aboutissement. Vous ne faites que toujours en train de recommencer. Vous savez que quelqu'un est loin et n'a pas besoin d'aller gêner. Le fait que vous rencontrez une personne et les rencontres ont été toujours spirituelles. Dieu, pour te bénir, il envoyera quelqu'un sur ton chemin. Et cette personne-là, pour l'utiliser, pour te délivrer. Ne ratez pas cette occasion. Ne dites pas que non. Dieu, non. Dieu envoie toujours quelqu'un. Pour sauver, il envoie toujours quelqu'un. Pour parler, pour que Jésus-Christ descende dans ce monde, il a envoyé l'ange Gabriel parler, n'est-ce pas, à Marie. Toutefois, Dieu toujours envoie quelqu'un, un point pour parler et pour régler une situation. Dieu m'envoie en Belgique à cause de toi qui es paralysé, à cause de toi qui es infime, à cause de toi qui a l'insuffisance rénale, à cause de toi qui ne sait plus où mettre la tête. Dieu m'envoie. J'ai reçu l'occasion de changer aussi avec la presse. La presse écrite, j'ai aussi l'occasion de changer aussi avec la presse. En ligne, si vous voulez bien, je vous accorderai aussi les interviews. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc le prophète Crasso arrive avec une onction spéciale pour t'aider. À mon salé, oh! À mon salé, oh!
Ramon Saleh, oh. Ça veut dire que la chanson dit, c'est toi qui m'as choisi. Eli et la gona, amouma, c'est toi qui m'as choisi afin de pouvoir annoncer l'évangile. Voilà. J'ai fait, n'est-ce pas, bon, la France, bien sûr. Après ça, c'était la Suisse, l'Italie, Danemark, l'Allemagne. Et bientôt, tout à l'heure, dans les heures qui vont suivre, la Belgique. 6 pays européens. Et nous allons poursuivre encore la tournée. Ben, parce que je dois rentrer. Cette semaine, je dois rentrer par la grâce de Dieu. Donc, on repoussive encore la tournée. C'est pour vous une occasion, tous ceux qui sont en Belgique. Voilà, donc ne manquez pas. On viendra là pour lier le diable qui vous emmerde. Un mot, le diable a besoin d'une seule parole de quelqu'un pour te libérer. Une parole suffit pour briser les chaînes. Une parole suffit pour détruire la présence des ténèbres. Une parole suffit pour te délivrer là où tu es. Là où tu es. Ce n'est pas une question de crasso. Lève-toi et viens ce programme. Belgique, le Seigneur veut te délivrer. Shalom, que Dieu bénisse.